Elle dort, elle fait plus de bruit. Attends, arrête de parler. Non, en fait, on l'entend pas. Tu l'entends pas. Tu l'entends pas. Non. Tu m'as dit arrête de parler. Non. Si, si, t'as dit arrête de parler à maman. Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va ? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui mercredi. Il fait encore très très beau aujourd'hui. J'ai assisté au lever du soleil ce matin, c'est trop cool. Quand tu sors du boulot à cette heure-là, en fait, j'arrive à la maison. Et quand je passe les collines, je vois le soleil se lever, on voit le Mont Blanc et tout, c'est magnifique. Il faudrait que je vous filme ça un matin parce que c'est vraiment très très beau. Il fait un petit peu froid encore ce matin, mais franchement, ça va monter dans la journée comme hier, donc voilà, ça va. Bon, j'ai une petite tête de fatiguée, hein, c'est normal, hein, j'ai eu une nuit de boulot. Je suis en train de regarder mes concombres. Alors là, j'en ai un, mais je pense qu'il n'est pas encore. Non. Et normalement, j'en avais un autre, mais Doudou, il me l'a mis. Ah, il est derrière, là-bas. Non, il est encore trop petit. Mais je sais pas s'ils vont ils font grandir plus, parce qu'il fait un peu frais, quand même. Je sais pas. Bon, écoutez, je vais les laisser. De toute façon, c'est pas un souci. Sinon, je vais aller voir les petits œufs. Les louloutes sont réveillées. Aria s'est réveillée quand elle m'a entendu arriver. Salut, mes poulettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Non, il n'y en a pas. Alors, 1, 2, 3, il y a 3 œufs là. Je vais dire aux filles, comme ça, elles vont venir les ramasser. Aria m'a entendu arriver ce matin. Donc, dès qu'elle m'a entendu, elle est sortie de sa chambre. Je lui ai dit, non, 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 Aria, c'est trop tôt là, faut aller faire dodo. Je peux venir faire dodo avec toi. Je lui ai dit, viens. Elle s'est rendormie avec moi. Voilà, elle s'est rendormie. Ça fait du bien à tout le monde de se rendormir. Et puis bah là, on est au taquet. Elles sont déjà en train de faire des activités. Cali, hier, a reçu son maillot de bain que j'avais commandé sur Vinted, mais elle n'avait pas pu l'essayer. Et ça y est, elle l'a essayé. Il lui va super bien. C'est quoi que tu me montres, mon cœur? Ça, c'est quoi? Alors, attends, tu l'as pris où? Fais voir. Je pense que ça se met dans les cheveux. Ah, va me chercher le papier avec les autocollants. Elles sont en train de faire, je vais vous montrer, c'est trop bien comme activité. Autocollant Usborne, mais je vous en ai déjà parlé de ça. J'habille mes amis autour du monde et en fait, il y a tous les costumes traditionnels et tout, c'est magnifique. C'était là, alors fais voir. Oui, ça se met dans la tête. Ah oui? Regarde, c'est une coiffe. Une coiffe? Ouais, une coiffe. Donc là, on est au Nigeria. Hop, elle a un sac à main, la dame. Dis donc. Oui. T'as inversé mon cœur. Regarde, on va lui mettre là. Tu enlèveras le rouge là de sac à main et tu lui mettras à la dame là. Regardez. Oui. Hop. Voilà. Donc en fait, crie pas sur ta soeur, Cali. Donc en fait, elle lui met les vêtements et tout. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. Tiens, allez, je te laisse faire. Si t'as besoin d'aide, tu demandes à maman, d'accord? Oui. Hop, je vais préparer le repas à midi, doucement mais sûrement. Alors, j'ai le choix. C'est soit je fais du poulet mariné avec des pommes de terre sautées, soit je fais les légumes farcis avec du riz, des tomates et tout, soit je fais les courgettes au lait de coco. Mais je vais peut-être faire les courgettes au lait de coco. Les filles, courgettes, crevettes, lait de coco à midi, ça vous va? Très bien, parfait. Parfait. Ouais, Romy aussi. Parfait. Parfait, comme ça, il n'y aura pas trop à faire. Je ferai, je pense, le poulet demain. Demain, en fait, elle mange à la maison. Il y a école, elle mange à la maison. Et vendredi, je les ai mis à la cantine. Voilà, parce qu'elles m'ont demandé de manger plus souvent à la cantine. Donc, je me suis dit, autant les mettre à la cantine chaque après mes nuits. Voilà, comme ça, ça nous évite avec Renaud de faire les allers-retours. Voilà, donc je les ai mis cette semaine, mardi et vendredi. Et la semaine prochaine, je crois que je les ai mis lundi et vendredi. Parce qu'en fait,
Je sais pas si je vous en ai parlé. Ça se trouve, je radote. Je suis désolée pour ça. Hein. Mais en fait, je vous ai dit, tous les mardis, c'est vegan, le repas. Et en fait, je regardais un petit peu les menus. Et franchement, depuis qu'elles sont à la cantine, donc ça fait 3 mardis qu'elles y vont. La première semaine, c'était nuggets de blé. La deuxième semaine, c'était boulettes de blé. Et la troisième semaine, c'était nuggets de soja. Voilà, donc bon... Et en plus, à chaque fois, ils me disent, tu sais, maman, la viande, on n'a pas pu trop... Oui, bah, donc, je me suis dit, on va alterner. De temps en temps, je vais les mettre le mardi. De temps en temps, je vais les mettre le lundi. Et le vendredi, c'est pas mal parce que le vendredi, c'est poisson d'office. Et en plus, je sors d'une nuit, donc c'est cool. Voilà. Je peux prévoir, en fait, la cantine, genre une semaine avant. Donc, c'est cool. Oui, mon cœur. Ça, c'est la robe de la dame. Oui, c'est sa robe. Sa robe? Oui, elle a une robe, mon cœur. Enlève le... Regarde, chérie, enlève son sac à main jaune. Parce que là, tu vas lui... Là ? Ouais. Parce qu'on va pas la voir avec son sac à main. Tu lui mettras sur l'autre bras. J'adore ces activités. C'est trop, trop cool. Sinon, cet après-midi, activité... Donc déjà, il faut que je prépare les petits sacs pour les copines de Cali. Puisque Cali fait son anniversaire samedi. Et je pense qu'on va aller à la bibliothèque. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Donc on va y aller cet après-midi. Voilà, ça sera la petite... Ça va nous faire du bien, ça fait longtemps. Il faut que je réserve un créneau pour la ludothèque. Parce qu'en fait, je vous ai déjà dit, mais en fait, il y a la ludothèque. Et il y a une salle avec tous les jeux. Et il faut réserver un créneau pour pas qu'il y ait tout le monde. En plus, il y a des glaces. Ah ben, ça se trouve, ils ont peut-être changé. C'est plus les glaces. Ça, c'est le costume du monsieur, regarde. Tu vois, il a le pantalon jaune déjà. Faut lui mettre... sa chemise. Voilà, super. Remonte pas trop haut, là. Remonte pas trop. Attends, voilà. Descends un peu, qu'on voit son cou. Parce que là, tu lui as caché le cou. Attends, fais voir, chérie. Vas-y, appuie. Attends. Faut bien viser. Hein. Moi, la toquée qui suit bien alignée. Allez, vas-y, appuie. Ouais. C'est trop cool, ce truc. Vous en trouvez sur Amazon. Mais moi, je les achète à Inter. Je les trouve dans mon Inter. Et franchement, ils sont trop bien. C'est quoi? Ça va sur sa tête, au monsieur. J'ai pété. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mère, j'ai encore pété. Non, qu'est-ce qu'on dit quand on pète, Aria? Pas. Ah, pas merci, hein. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ça m'est où? Petit repas du jour, donc du riz avec crevettes au lait de coco. J'ai reçu la commande Kiabi, je vous ai dit la semaine dernière, j'avais fait une commande parce que le manteau de Cali n'était pas dispo en magasin, donc j'avais fait une commande sur internet, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on y allait quand? Mercredi dernier, donc ça fait une semaine pour arriver. Donc, alors sur le coup, je lui avais pris deux manteaux, un noir et un dans la teinte rose. Et en fait, elle kiffe les deux, donc je vais lui laisser les deux. C'est vrai qu'ils sont vraiment très très beaux. Vous avez du rembourrage à l'intérieur, c'est tout moumouté et tout, donc c'est trop cool. Vous avez une capuche avec des poils là, mais c'est les poils qui s'enlèvent. Donc ça, on pourra ou pas le mettre, donc ça c'est cool. Et sinon, moi je me suis commandé un short en simili-cuir. Je savais pas trop quelle taille prendre et en fait, j'ai pris deux tailles et j'ai pris la plus petite. Encore une fois, bon, bref. Je préférais essayer. Donc voilà, il va super. Il va être trop beau. Pour cet hiver, ça va être trop, trop beau. Allez, on va manger. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon, Cali? Cali, elle est en maillot de bain. Elle n'a pas enlevé son maillot de bain depuis tout à l'heure. Cali, on va enlever le maillot de bain, peut-être, non? Non, j'ai envie de garder avec. On s'est habillé avec les louloutes. J'ai couché Romy. Je suis vraiment pas sûre. T'as pas mis de parfum, je vais t'en mettre. Je suis vraiment pas sûre qu'elle s'endorme, Romy, parce que elle parle pas mal là-haut. Donc, bah écoutez, on verra. Elle dort, Romy. Elle dort? Elle fait plus de bruit? Attends, arrête de parler. Non, en fait, on l'entend pas. Tu l'entends pas? Tu m'as dit arrête de parler? Non. Si, si, t'as dit arrête de parler à maman. Elle me fait attends, arrête de parler. Donc oui, on est prête, on va y aller. On va déposer ça dans une boîte de la poste. Ouais. C'est l'inscription pour le cirque, pour Mademoiselle Romy, pour Romy, pas du tout, pour Cali, pour la deuxième semaine des vacances. En fait, on a un cirque... Chut, non, parce que t'es trop petite, Aria. Ouais.
On a un cirque pas très loin et ils font des stages. Alors, ils font des cours de cirque toute l'année, mais ils font également des stages pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai proposé à Cali, parce que l'année dernière, elle avait fait cirque à l'école, elle avait adoré. Donc, je lui ai demandé si elle voulait faire cirque. Donc, c'est la deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint. Donc moi je serai en vacances, donc ça tombe très bien. Et en fait c'est pendant les 5 jours. Donc elle a 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi de cours. Et entre midi et 2, alors soit elle reste là-bas pour pique-niquer avec les copains, etc. Soit je vais la récupérer pour manger avec elle. Donc il y a 3 jours où je ne l'ai pas mis, et il y a 2 jours où je l'ai mis à manger là-bas. Je lui ferai son pique-nique et puis comme ça elle partira toute la journée. En soi c'est pas très très loin, hein. Il y a peut-être 20 minutes de route, donc voilà. Mais bon, je me dis c'est plutôt pas mal de rester toute la journée. Donc voilà, elle est trop contente là. Deuxième semaine des vacances de la Toussaint, c'est trop cool. Ariel est trop petite puisque c'est à partir de 5 ans. Donc on verra l'année prochaine. T'arrives à mettre? Ouais, super. Enfin, pas l'année prochaine, l'année d'après. Vu qu'elle est née en avril, en fait, c'est toujours... C'est serré, les chaussures? Serré. Mais quel clown, c'est pas possible. Mets les autres. Mets tes roses. Rose. Oui, celle-là. Celle-là? Oui, là, t'as pris 2 chaussures différentes, ma chérie. Bon, et là, donc, on va aller à Grand Frais. J'avais besoin d'aller à Grand Frais puisque je n'ai plus de beurre à la vanille. Je voulais racheter... Attendez, il y a une mouche. Oh, je l'ai tapé, mais pas assez fort. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais aller à Grand Frais. Donc, on va aller à Grand Frais. Et on doit aller faire un petit saut par Action également. Puisqu'il me manque 2-3 trucs pour l'anniversaire de Cali. Donc, on va y aller. Voilà. Voilà, voilà. On est parti. Je range ma chaise, là. Et puis, bah, let's go. Tu veux voir tes lunettes? Vous avez fait une maison? Elle est où la porte d'entrée? Elle est là. Elle est là? Super. Mets tes lunettes, Aria. Mets les lunettes. Tu veux le gilet jaune? Ouais. Tiens, vas-y. Vas-y. Hop. On a plus qu'à faire lunettes. Ah bah, t'es belle comme ça. Magnifique. Magnifique. On est au jeu. Juste à côté de la médiathèque, il y a un petit parc avec des jeux. Donc c'est bien, on se pose un peu. Il y a le soleil. C'est super chouette. Hein? On se pose un peu. Hein? Ouais. C'est pas mal ces petits jeux. Ouais. Et là-bas, il y a un trampoline. Il y a un... Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, vers la dame, là. Je vous ai filmé. Il y a un trou. Et c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Les petits repas de ce soir, donc j'ai fait du poisson, c'est du filet de julienne que j'avais pris à Grand Frais qui était en fait il était en date courte, alors date courte on est le 21, c'était à consommer avant le 24, donc je l'ai fait ce soir, je l'ai fait avec un petit peu d'huile d'olive, persil et échalote, c'est juste trop bon. Avec ça j'ai fait des petites perles et j'ai fait une fondue de poireaux, voilà, on va se régaler. Bon, je suis actuellement au fond du garage. Vous avez tout ce qui est atelier à doudou derrière. Vous avez même ma cuiseuse à riz. Enfin bref. Je suis devant le sac pour l'anniversaire de Cali. Pour checker un petit peu tout ça. Alors, j'ai eu des réponses, mais il me manque. Franchement, j'ai l'impression que les invitations n'ont pas été... je sais pas. Donc demain, il faut que j'essaie d'attraper la maman ou le papa des... en fait, j'ai pas eu de réponse de... deux personnes. Bon, vous allez me dire deux personnes, ça va. J'espère juste que les invitations ne sont pas passées à la trappe, quoi, c'est tout. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais cet après-midi, avec les filles, on est allé jusqu'à Grand Frais. On est allé jusqu'à Action. On est allé également à Zeman. Donc Zeman, je vais vous montrer mes petits achats. J'ai pris des basiques aux filles. Alors principalement des chaussettes, que ce soit pour Cali, pour Aria et pour Romy. Voilà, parce qu'il me fallait des chaussettes à leur taille, quoi. J'ai pris deux petits trucs à Cali et deux petits trucs à... Non, un petit truc à Cali, un petit truc à Romy. Trop de prénoms. Un petit truc à Cali, un petit truc à Aria et deux petits trucs pour Romy. Voilà, mais je vous montrerai tout ça.
Sinon, là, j'étais en train de checker un petit peu donc, le sac pour l'anniversaire de Cali. Donc, Cali a décidé de faire sur le thème licorne avec une arche de ballon multicolore. Donc, on est passé à... comment ça s'appelle? Zoé Confetti? Non, Crazy Fête, un truc comme ça. Et j'ai acheté des ballons. J'ai acheté des ballons multicolores. Donc, c'est des sachets avec 10 ballons à l'intérieur et il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, j'ai préféré prendre comme ça parce que habituellement, je les prends toujours sur Amazon, pour pas les citer. Sauf que quand on calcule le tarif de l'arche complète à Amazon et quand on prend à la pièce, ça vaut plus le coup à la pièce. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, tu prends la pièce. Voilà, donc j'ai pris des ballons multicolores. Je ferai une arche de ballon multicolore pour l'anniversaire, donc samedi et dimanche. Je laisserai l'arche de ballon samedi, puisque généralement les ballons sont jamais dégonflés hein, le lendemain. Donc comme ça, au moins, j'aurai pas besoin d'en refaire une pour dimanche. Et ça, c'est trop cool. Et c'est pour ça que j'ai calé l'anniversaire de Cali le samedi et le dimanche avec la famille. Voilà, donc là, je voulais checker un petit peu... les sacs de cadeaux puisque j'avais acheté pas mal de petits trucs à Action donc j'ai acheté des petits sacs comme ça. Alors clairement, vu le nombre de louloutes qu'il y a, en fait je vais pouvoir mettre seulement, parce que alors il y en a deux qui vont, non attendez, elles seront 5 en tout. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, en tout on en avait invité, alors elles sont 5 qui m'ont confirmé, en tout j'en avais invité. Elles sont 5 avec Cali. En tout, j'en avais invité 7. Cali avait choisi 7 copines. Donc, on avait invité les 7. Et on en a 4 qui ont répondu favorablement. Une qui n'est pas disponible. Et deux autres, bah, je ne sais pas. Voilà. Donc, demain, j'essaierai d'attraper le papa ou la maman. Donc là, je vais préparer les sacs. Donc, dans ces petits sacs. Les petits sacs viennent de Action. Donc je vais les ouvrir et en fait à l'intérieur je vais glisser des petites surprises. Alors c'est que du fil, c'est que du rose, etc. Hein. C'est voulu, je connais pas du tout les goûts des copines de Cali, donc je me suis dit thème princesse, décoloriage, licorne et tout, ça va plaire. Donc voilà. Donc l'idée c'est que je vais glisser dans les petits sachets. Je vais vous montrer hein, ce que j'ai trouvé. Là, j'avais pris d'autres sacs au cas où, qui est plus de copines, mais en fait, il n'y en aura pas tant que ça. Bah, enfin, je vais en faire... Alors, attendez. Je vous dis, il y a plus de copines, mais je vais faire un sac pour Aria et pour Cali, bien entendu. Donc, dedans, je vais glisser ça. C'est une petite figurine. Ensuite, on a... attendez, je ne vais pas la casser. On a des balles rebondissantes qui s'éclairent. Voilà, donc je vais les glisser dans les sacs. Hop, j'ai également pris des petits cahiers de coloriage comme ceci. Donc j'ai pris tous les mêmes, hein. J'ai dévalisé Action. Donc je vais glisser la licorne comme ça et la licorne comme ça. J'espère qu'elles seront contentes. J'en doute pas. Je sais que Cali, quand on avait pris tout ça, elle était trop contente. Donc voilà. Et j'ai pris également... des petites trucs de pour faire des bulles là. Voilà, parce que ça aussi je sais que ça marche bien. Bon, par contre je vérifie bien qu'ils soient bien fermés. Voilà, et j'avais pris des petits bonbons, bien entendu. Donc à l'intérieur je vais glisser des petits bonbons, comme ça au moins elles repartiront toutes avec leur petit sac. Voilà, je sais pas. C'est trop canon, c'est trop cool, elles vont être trop contentes de repartir avec ça. Voilà, donc bon, c'est franchement c'est cool, hein. Je trouve que c'est voilà, c'est un petit sac bien rempli. C'est bien sympa, donc je vais préparer tout ça, je fais mes petits sacs et après je vous montre mes achats chez Zeman et Gémeaux, puisque je suis passée à Gémeaux. En fait, je voulais regarder la nouvelle collection et j'ai trouvé des pulls arc-en-ciel pour les filles. Ils sont trop beaux. J'ai un pull d'ailleurs avec cette couleur-là, donc quand on les mettra, ça sera trop marrant. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à Gémeaux? Je me suis trouvé un pull genre col V. Il est un rose rose bonbon un peu. Il est trop trop beau. Mais je vous montrerai ça après. Allez, je fais mes petits sachets. Ah oui, et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais j'avais, je pense que je ne suis pas la seule, mais en tant que maman, j'avais peur qu'il n'y ait que des réponses négatives pour l'anniversaire de Cali. J'avais très très peur de ça. Et en fait, quand j'ai reçu les premiers messages en me disant « c'est bon, les filles seront là, c'est bon, elle sera là », franchement, ça m'a rassurée. J'avais
tellement peur. En fait, c'est une hantise pour moi que les filles se fassent pas de copines. Que, vous voyez, j'ai peur de ça. C'est vraiment... Hein, est-ce que c'est parce que bah, moi, je l'ai mal vécu à l'école parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été invitée à beaucoup d'anniversaires, etc. Donc, est-ce que c'est... Voilà. Donc, ouais, j'avais un petit peu peur. Quand j'ai décidé de faire l'anniversaire de Cali, je me suis dit, oh là là, t'imagines s'il y a personne qui répond favorablement et tout. Et en fait, quand j'ai eu les premières réponses positives, je me suis dit, c'est bon. Même si elles sont que deux, que trois, c'est pas grave, c'est cool. Voilà. Et ah oui, je voulais vous dire aussi, parce que c'est bien de faire un événement. Alors là, déjà, il pleut, en plus, ce week-end, donc bon, c'est pas grave. Mais on a prévu des petites activités. Donc déjà, je vais faire des macomoulages en avance. Je vais les faire sécher. Comme ça, samedi, les filles pourront les peindre. Donc je vais faire de la licorne, de la princesse, tout ça, tout ça. Elles pourront les peindre tranquillou. Ça sera une petite activité. On va faire des crêpes, donc comme ça au moins elles pourront mettre ce qu'elles veulent sur leurs crêpes. Je vais acheter des fruits genre bananes, des framboises, là il y a encore un petit peu de fraises, c'est les dernières, mais je vais en acheter aussi pour qu'elles puissent mettre sur leurs crêpes tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on a dit qu'on faisait des bracelets de perles et tout. Parce que ça, j'en ai pas mal, de, vous savez, avec les grosses perles. Donc, je pense que ça peut être une activité qui peut être sympa. Voilà, j'ai dit à Cali également qu'on prendra des photos. Parce que vous savez, j'ai l'appareil photo, moi, le Polaroid. Donc, ça sort directement. Donc, comme ça, elles pourront toutes repartir avec une petite photo. Ça va être trop, trop cool. Voilà, je me disais, il faut vraiment que je prévoie des trucs à faire parce que... Et elles vont faire ça aussi. Parce que, bah, alors, je sais très bien que si tu les mets dans une chambre et il y a des jeux, des Barbies et des trucs comme ça, elles vont jouer. Mais si elles peuvent repartir avec un petit truc, c'est cool quand même. Donc voilà, je ferai tout ça. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, voilà, voilà. Les sacs sont faits. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, comme ça, je pourrais montrer tout ça à Cali demain. Bon, elle avait déjà tout vu, hein, mais ça fera pas une surprise. Mais voilà, je suis trop contente, ces petits sachets-là. Ah mince, c'est trop cool. Voilà, tout vient de chez Action. Si vous vous posez la question, tout vient de chez Action et c'est canon. J'aime trop. C'est très girly. Bon, et sinon, donc mes petits achats chez Zeman et Gémeaux. Alors, Gémeaux, je sais pas si c'est là. J'ai pris une petite robe pour Cali. C'est elle qui l'a vue, en fait, et elle a craqué dessus. Et c'est vrai qu'elle est très, très belle. Bon, pour le prix, franchement. Alors, par contre, va falloir m'expliquer. Zeman, ils ont changé leur étiquette. C'est-à-dire que maintenant, ils font deux étiquettes. Pas pourquoi ils font ça. T'as deux prix dessus. Donc, faut pas te tromper, quoi. Voilà, français 5,99. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas du tout. Bref, en tout cas, j'ai trouvé cette petite robe pour Cali. Il y avait des petites, pépites quand même. Hein. Zeman, j'aime bien. Par contre, il faut faire attention parce que tu te dis, ah, Zeman, c'est pas très cher et tout. Et en fait, des fois, ça vaut plus cher. Donc, faut quand même se méfier. J'ai pris cette petite blouse à pour Romy, qui est trop belle. Elle est couleur... brique un petit peu, et en fait vous avez des petits détails de pois dorés. Elle est magnifique. Ensuite ici on a tous les ballons. Donc quand je vous dis que j'ai fait une razzia sur les ballons, j'ai vraiment fait une razzia pour les ballons. Mais en fait je voulais vraiment une arche de toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai pris vraiment toutes les couleurs. Dedans il y en a 10. Donc clairement, même si je fais une arche avec deux ballons de chaque, j'en aurai encore pour après. Voilà, parce que là, j'ai combien de couleurs? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tu vois, si je double, ça fait 32 ballons. Je pense que ça fait déjà une bonne arche. Et en plus, c'est pas des ballons tout petits. Hein. C'est vraiment des bons ballons. Donc voilà, de toute façon, je vous montrerai tout ça samedi quand je ferai la arche. Ces ballons, ils viennent de, je vous l'ai dit, c'est Crazy Fête, ça s'appelle, je crois. Ensuite, on a pris, bien entendu, une bougie 5 ans, voilà, pour mettre sur le gâteau. Je lui ai dit, tu choisis la couleur de ta bougie pour mettre sur ton gâteau, donc c'est chose faite. Ensuite, toujours à Zeman, j'ai pris un petit legging comme ça, qui est en velours.
pour Romy. Il est noir, il est tout doux. 5 euros, 4,99 €. Et en fait, je l'avais vu avec ce petit haut et je trouvais ça sympa. Bon, après, le pantalon hein, noir, ça va avec tout. Hein. Ensuite, encore une petite robe dans les mêmes couleurs que la blouse juste avant. Mais c'est une robe, là. Pour Romy, toujours. Donc, j'ai pris 86 cm. Hein. Voilà, elle est trop sympa. Ensuite, j'ai pris ce petit pull pour Cali qui est bleu avec des petits cœurs rose gold, je dirais. Voilà, trop trop beau. Malheureusement, il n'y avait pas la taille de Aria. Elle le voulait, mais il n'y avait pas sa taille. Donc, j'essaierai de lui trouver dans un autre Zeeman. J'en ai un pas très loin du boulot. Je me dis, avant d'aller au boulot, je peux y passer. Voilà, parce qu'elle le trouvait vraiment très très beau. Donc, je regarderai. Et ensuite, pour terminer, on a pris cette petite jupe pour Aria. Voilà, trop mignonne. Vous mettez ça avec un petit collant noir et des bottes un petit peu motard. Et vous lui mettez, vous mettez un perfecto avec elle, un perfecto. Ça ira trop trop bien. Voilà, petit t-shirt noir basique. Vous savez que j'ai acheté à Kiabi la semaine dernière. Cette petite jupe, des collants, des bottes et tout. Elle va être trop belle. Et pour terminer, donc ça je vous ai dit, hein, j'ai pris des lots de chaussettes. Donc ça c'est pour Romy. J'ai pris des chaussettes basses pour les filles et j'ai pris des chaussettes hautes. Voilà, j'espère juste qu'il y a bien la taille qui est notée dessus parce que sinon on va galérer. Voilà, on va galérer. On va galérer. Quand t'as un garçon et une fille, c'est bien. T'achètes du rose, du rouge, voilà. Et le garçon, t'achètes du bleu, du gris. Mais quand t'as trois filles, c'est une galère. Mais bon, enfin, je mets tout avec ma salive, tout va bien. Donc voilà, je vais enlever toutes les étiquettes et ça va partir tout au lavage. J'étais en train de me dire, je ne vous ai pas montré les achats chez Gémeaux. Donc, petit pull pour les filles multicolores comme ça. Je l'ai pris en 6 ans pour Cali et 4 ans pour Aria. Il était à 15 euros. Voilà, c'est fou parce que c'est les mêmes pulls, mais en fait, vous n'avez pas du tout le même dégradé. Regardez. Pas du tout. Donc c'est les mêmes, mais pas vraiment les mêmes en fait. Et puis moi, mon pull, c'est celui-ci. Donc c'est cette couleur qui est un rose poudré un peu. Il est vraiment trop trop beau, col V. Là, avec la lumière, c'est pas top, mais quand je le porterai, je vous montrerai sans problème. Voilà pour tout ça. Là, je vais partir devant l'ordinateur. J'ai une formation avec Guy Demarle à faire. Il faut que je lise pas mal de choses, que j'apprenne pas mal de choses pour pouvoir à mon tour former. Parce que bah, mon équipe commence à bien grandir là. Voilà, il faut que je puisse répondre à toutes les questions. Même si des fois, j'ai pas les réponses. Donc, je contacte la personne super... Alors, pas ma marraine, hein, parce que ma marraine, j'ai toujours pas de nouvelles. Voilà, mais j'ai... Il y a une personne de la région qui peut me répondre à tout ça. Donc voilà, dès que j'ai des petites questions ou que j'arrive pas à répondre, généralement, je lui envoie un petit message et puis voilà, elle me répond assez rapidement. Voilà pour tout ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, et autre chose, et après je coupe et j'arrête de blablater. Mais je pense que régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois, je vous filmerai des vidéos spéciales apéro. Parce que quand on a fait le plateau apéro samedi soir, vous avez été énormément à me dire « Oh là là, tes recettes et tout ». Je vous jure que c'est très très simple. Et franchement, pour faire le plateau apéro, je mets peut-être une heure à tout casser, c'est tout. Voilà, je passe pas un temps fou en cuisine. Donc, je me suis dit, en fait, ça serait une bonne idée de vous filmer tout ça, de vous filmer les petites recettes que je fais. Voilà, mais je vous montrerai tout ça. Il y en aura une par mois à peu près. Et n'hésitez pas à me dire, moi, je pensais la sortir le mercredi. Parce que je trouve que le mercredi, c'est pas mal. Comme ça, ça vous laisse le temps. Par exemple, si vous le faites le vendredi ou le samedi soir, l'apéro, d'aller faire les courses. Voilà. Le lundi, il y a le retour de course. Et je me dis que le mercredi, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, eh ben pareil. Voilà, je suis preneuse. Voilà, je suis pas du tout fermée à faire d'autres vidéos. Bien au contraire. Bientôt, il y a la vidéo organisation qui arrive. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.